Alors la procédure, elle est assez compliquée. On arrive sur la grille de départ, évidemment à vitesse réduite. On se met à notre emplacement. Mon ingénieur me dit juste au centimètre près où je dois me mettre. Et ensuite, je leur fais installer un bout de tape de couleur sur un mur, sur le côté ou à droite ou à gauche, ça dépend, pour me donner un point de repère. On a un tour de formation où on chauffe les pneus derrière un safety car. Ensuite, on vient se mettre en gris. À partir du moment où le dernier est en gris, ce que nous, on ne voit pas de la voiture, il y a un drapeau vert qui est ajouté derrière. Et de là, il y a le panneau immédiatement 5 secondes. Et ça veut dire que dans les 5 secondes, il y a les feux rouges qui vont s'allumer. Et ensuite, ça peut partir à 3 dixièmes comme à 2 secondes après l'allumage des feux. Donc, il faut être vraiment prêt, stratégie armée et tout. Et ensuite, on se concentre quand on voit 5 secondes. On met gaz à fond, on tient bien le frein à main. Par contre, il faut avoir un temps de réaction qui est rapide. Notre temps de réaction, en moyenne, il est entre 2 et 3 dixièmes. Bien doser l'embrayage, c'est pas un départ automatique, hein, comme on a pu voir par le passé en rallye ou dans d'autres formules. Donc, il faut bien gérer l'embrayage, bien chercher le point de collage. Donc, effectivement, réagir vite, mais au bon moment, avec toute l'excitation du départ, et en particulier, c'est vrai que sur la course 2, où on est en règle générale au milieu du peloton parce qu'il y a la grille inversée, eh ben c'est le moment le plus fort en émotion dans le week-end, parce qu'il y a beaucoup de choses en même temps. Il faut gérer le stress, il faut gérer sa motricité, il faut gérer les autres pilotes qui peuvent faire des écarts, une voiture devant soi qui cale, mettre la bonne stratégie en place, ne pas bouger avant le feu vert. Voilà, beaucoup de choses en même temps, donc c'est pour ça que c'est le moment certainement le plus excitant du week-end. C'est vrai qu'il y a une grosse tension en fait sur la ligne de départ, et c'est ce que j'ai découvert un petit peu en circuit par rapport au rallye, parce qu'au rallye, bon, la première spéciale d'un rallye, c'est toujours un peu tendu, mais on peut finalement partir un petit peu à son rythme. On sait qu'il y a 350 km, si le deuxième virage on se sent moyen, on lâche quelques dixièmes. Là, on peut pas, là c'est 100% tout de suite, au contact dès le premier virage avec les voitures autour. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une tension sur ce temps de réaction déjà du départ qui est primordial. Et puis pour ne pas se rater, beaucoup d'improvisation aussi finalement, parce que c'est vrai qu'en rallye, on improvise beaucoup plus qu'en circuit. Sauf que dans le peloton, il y a beaucoup d'improvisation. Il faut avoir les yeux partout en même temps. Être concentré sur les voitures d'à côté, sur le point de freinage, sur la trajectoire, sur la voiture de devant, de derrière, ça demande énormément de concentration et de réaction.